Si dans les 3,3333 secondes tu likes et tu t'abonnes, tu auras tous ces V-Bucks sur Fortnite. Mais si tu le fais pas, tu auras jamais plein de V-Bucks sur Fortnite. Donc like et abonne-toi. Yo les gars, c'est Kuduro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Juste avant de commencer la vidéo les gars, les 500 premières personnes qui likent cette vidéo peuvent gagner 1000 V-Bucks gratuits. Donc quand vous avez liké, mettez-moi dans les commentaires. Voilà, je suis le 50e à avoir liké cette vidéo. Je suis le 150e à avoir liké cette vidéo, etc, etc. Enfin bref, vous avez compris le concept. Bien sûr, les 500 premières personnes qui likeront cette vidéo directement pourront bénéficier de 1000 V-Bucks gratuits. Donc voilà, je prendrai quelqu'un parmi ces 500 likes. Donc franchement, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Même quand on a atteint le record, donc les 500 likes, si vous voyez qu'il y a déjà 500 likes, bah continuez de liker, c'est vraiment très important. Et bien sûr, vous avez un petit bonus si vous mettez mon code créateur QDU3 et bien sûr, l'abonnement à la chaîne YouTube. Voilà, je voulais dire l'abonnement à la chaîne. Donc c'est très important, vous likez, vous mettez mon code créateur et vous vous abonnez avec la chaîne. Et surtout, la cloche de notification activée. Je compte sur vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour des news vraiment extravagantes. Vous allez voir, vous allez vraiment pas être déçus. Vous allez pouvoir récupérer le skin Switch. Vous allez tout de suite comprendre dans la vidéo. Bref, je vais vous mettre toutes les informations croustillantes dans cette vidéo. Vous allez vraiment en savoir vraiment beaucoup plus sur les prochaines mises à jour qui arrivent très prochainement sur Fortnite. Et passons tout de suite à la première information. Donc, comme vous avez pu le voir à l'écran, le Barrette revient, fait son retour sur Fortnite en mode légendaire, comme vous pouvez le voir. Donc, mettez un gros pouce bleu, les gars, la barre de like en PLS pour le Barrette si vous kiffez vraiment cette arme. Vous pouvez voir qu'il arrive très prochainement, donc de la part de Hypex, voilà, comme d'habitude, le leaker officiel de Twitter, parmi Hypex et ChinaBR, c'est vraiment les deux qui donnent vraiment énormément de bonnes leaks, donc n'hésitez vraiment pas à les suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Bref, comme vous avez pu le voir, le Barrette fait son retour sur Fortnite, franchement ça fait extrêmement plaisir, et ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment du lourd dans cette vidéo. Là, je vous annonce quelques petites news, et vous allez voir à la fin de la vidéo, ça va être vraiment incroyable, mais n'oubliez pas qu'au début de la vidéo, il y aura des V-Bucks à gagner, et même au milieu de la vidéo, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On passe tout de suite à la deuxième information, nouveau skin Moon Knight qui arrive très prochainement dans la boutique de Fortnite. Restez connectés parce que franchement je vais le faire gagner à toute la communauté, surtout que moi en plus je veux ce skin, je kiffe Marvel comme vous le savez déjà, et franchement la série Moon Knight, j'ai déjà vu le premier épisode sur Disney+, n'hésitant pas à aller vraiment aller la voir, et vous pouvez voir tout simplement que le skin est vraiment badass, il est vraiment magnifique. Il arrive très prochainement dans la boutique de Fortnite, donc restez connectés sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez mon code créateur, et bien sûr si vous m'envoyez toutes les preuves sur les réseaux sociaux, ça peut être Discord, Instagram ou même encore Snapchat ou encore Twitter, il n'y a vraiment pas de souci, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas un de ces réseaux sociaux, malheureusement vous pouvez pas m'envoyer les preuves, mais voilà, c'est très important d'envoyer les preuves, comme ça au moins je peux vous récompenser tout en sincérité. Donc n'hésitez vraiment pas, et tout en sécurité surtout. Donc d'accord l'équipe, donc on passe tout de suite à la troisième information. Comme vous pouvez le voir, d'après un leaker, vraiment il est vraiment oufissime ce leaker, parce que franchement il est un petit peu secret, il est pas trop connu sur les réseaux, mais vous pouvez voir que Tilted Tower va être détruit, parce que comme il faut savoir, dans les prochaines mises à jour il y a tout simplement un dirigeable qui est tout simplement au dessus de Tilted Tower, et ce qu'il faut savoir c'est que malheureusement il va être détruit, et ce qui va permettre tout simplement à la ville de Tilted Tower qui va être totalement irradiée. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir déjà au gameplay, je suis bien à Tilted comme par hasard, mais ce qu'il faut savoir c'est que je suis bien sur le dirigeable de l'IO. Donc comme vous pouvez le voir, il va être détruit par les 7. Donc franchement, dites moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes vraiment dégoûté, etc. Mais dans les prochaines mises à jour qui sont à venir, on sait pas si c'est la prochaine ou encore la prochaine, mais en tout cas vous m'avez compris, rip Tilted Tower dans les commentaires. Franchement c'est vraiment décevant de la part de Fortnite d'enlever Tilted Tower à ce point là, parce que tout le monde kiffe cette ville, mais il faut savoir que bref, toute bonne chose a une fin, j'ai envie de vous dire. On passe tout de suite à la quatrième information il me semble. Donc comme vous pouvez le voir, nouvelle pioche qui arrive sur Fortnite. Voilà, c'est la pioche secrète que certains joueurs attendent, surtout les joueurs PC, parce qu'il faut savoir que grâce à la FNCS, eh ben, on peut tout simplement débloquer cette pioche. Donc en gros, en mode, si vous faites les compétitions, vous gagnez un certain nombre de points, vous pourrez récupérer les récompenses gratuites. Mais il faut savoir que cette pioche devait être donnée à tous les joueurs qui a joué un petit peu le mode arène. Et ce qu'il faut savoir c'est que cette pioche n'a pas été distribuée, et du coup elle est bien dans les fichiers du jeu, mais elle n'est pas encore arrivée, elle n'a pas encore fait son apparition sur Fortnite. Mais ne vous inquiétez pas, très prochainement, et ça sera pas en mise à jour, elle sera ajoutée directement comme ça. On n'a pas vraiment de date, mais je peux vous le dire, c'est entre le 4 et le 8 avril. Donc restez bien connectés sur Fortnite pour récupérer cette pioche dans le mode Battle Royale. On passe tout de suite pour les V-Bucks. Si vous voulez 13500 V-Bucks gratuits, c'est vraiment très simple, il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et mettez mon code créateur QDU3. Bien sûr, toutes les personnes qui participent
participe depuis un moment, etc. Vous êtes vraiment énormément actifs sur la chaîne, vous êtes énormément nombreux, surtout, c'est ce que je voulais vous dire. Mais du coup, pour vous démarquer des autres, voilà, plus vous ramenez d'abonnés et plus vous ramenez de likes, mais surtout d'abonnés à la chaîne YouTube et qu'ils ont activé les notifications, donc voilà, vous appelez vraiment plein de potes à vous, et ben vous pourrez être sûr de récupérer ces V-Box. Donc franchement, malheureusement, si vous êtes toi qui regarde cette vidéo, si tu es tout seul à t'abonner avec la cloche de notification, malheureusement, ça va être assez compliqué de te démarquer parmi les autres. Donc je vous conseille fortement, et dites-moi dans l'espace commentaire surtout combien de personnes vous avez ramené et qu'ils ont activé la notification. Très important. D'accord, je compte vraiment sur vous. On passe tout de suite au skin switch, les gars. Donc comment le récupérer, c'est vraiment très très important de bien écouter la fin de cette vidéo pour récupérer le skin switch. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. J'ai fait énormément de vidéos dessus et il y en a encore qui me demandent, oui, c'est quand qu'il arrive. Je sais, les gars, ça fait un petit moment qu'on attend, mais il est toujours dans les fichiers du jeu et à mon avis, ça va vraiment pas tarder. Maintenant, je vais vous réexpliquer comment l'obtenir. C'est vraiment très simple parce que de base, il vous faudra la switch. Mais si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas la switch, ne t'inquiète pas. Par contre, si tu as la switch, il faut faire une manip quand même. Donc, c'est très important. Le skin, il est payant. Si vous n'avez pas envie de le payer, il faudra faire cette manip. Alors, c'est très simple. Pour toutes les personnes qui n'ont pas la switch ou qui ont la switch, vous pourrez faire la méthode que je vais vous donner. Donc, en gros, vous allez sur Google. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la switch, vous allez sur Google et vous allez mettre tout simplement Nintendo eShop. Voilà, vous allez le rentrer dans la barre de recherche de Google. Vous mettez Nintendo eShop. Vous allez vous créer un compte Nintendo eShop. C'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez relier votre compte Epic Games à votre compte Nintendo. D'accord, donc dans les paramètres du site sur Google, Nintendo eShop, voilà, vous créez votre petit compte gratuit, 7 jours gratuit, il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez dans les paramètres et là vous allez vous demander, ouais, comment il faut que je fasse. Donc en gros, vous allez dans les paramètres, vous allez dans lier votre compte à un compte Epic Games. Voilà, c'est très très important. Voilà, vous liez les deux comptes en gros, et une fois que cela est fait, dès que le skin sortira, vous pourrez tout simplement le télécharger gratuitement. D'accord, et pour toutes les personnes qui ont la Switch, c'est très simple, vous allez dans la boutique de la Switch et vous faites la même chose, vous reliez un compte Epic Games, bah surtout le compte où vous voulez le skin, d'accord. Par contre, si vous vous rappelez plus de votre compte Epic Games, malheureusement, ça ne va pas le faire et vous pourrez pas l'obtenir. Donc c'est très simple, les gars, en vrai c'est super simple, que vous soyez sur Switch ou non, même sur PC, mobile, enfin ce que vous voulez, c'est très simple. Vous avez juste à créer un compte Nintendo eShop. Les personnes qui ont la Switch, ils l'ont déjà, mais en gros, si vous n'avez pas la Switch, il y a vraiment pas de souci, d'accord. Vous reliez votre compte eShop à votre compte Epic Games, c'est super simple. Vous savez, quand vous avez une récompense, par exemple, je sais pas, Twitch à récupérer, et ben vous liez bien votre compte Twitch à votre compte Epic Games, et du coup là, vous, une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir dans votre jeu Fortnite et là vous allez récupérer votre récompense Twitch, et ben là ça sera pareil, d'accord, sauf que c'est Nintendo. Donc je pense que vous avez un petit peu compris le principe. De toute façon, il y a plein de vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller les checker, j'explique même des tutos sur PC pour comment l'avoir, donc n'hésitez vraiment pas à les checker, les gars, très important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Comme je vous l'ai dit, la personne qui me ramène le plus d'abonnés sur la chaîne actif, bien sûr actif, c'est très important, peut se démarquer parmi les autres et remporter ses 13 500 V-Bucks. Et bien sûr toutes les autres personnes, bah, si vous voulez un cadeau dans la boutique de Fortnite, il vous suffit de mettre mon code créateur QD3 dans la boutique de Fortnite. Nous on se retrouve à la prochaine, c'était Kudo au micro, bonne journée à tous et ciao tout le monde, bye.